Dans un carré ABCD est construit intérieurement le triangle équilatéral AMB. Question, quelle est l'amplitude de l'angle CMD? Dans ce carré ABCD, nous construisons ce triangle équilatéral AMB et ce qui est demandé, c'est l'amplitude de cet angle rouge. Pour la déterminer, nous construisons d'abord cette médiatrice. Puisque le triangle AMB est un triangle équilatéral, nous savons que les trois angles intérieurs ont comme amplitude 60 degrés. Donc cet angle-là, l'angle BAM, a une amplitude de 60 degrés. Et par conséquent, cet angle-là, l'angle MAD, a une amplitude de 30 degrés, puisque la somme de ces deux amplitudes doit être égale à 90 degrés. Le triangle ADM, c'est un triangle isocèle, puisque AD a la même longueur que le côté du carré, mais AM aussi, puisque AM a la même longueur que AB. Et par conséquent, vu que le triangle ADM est isocèle, les deux angles de base doivent avoir la même amplitude, qui vaut 75 degrés, puisque la somme de ces trois angles intérieurs au triangle ADM est égale à 180 degrés. Vu que cet angle ADM mesure 75 degrés, nous pouvons en déduire que cet angle MDC mesure 15 degrés, puisque la somme de ces deux amplitudes doit être égale à 90 degrés. Travaillons maintenant dans ce triangle rectangle que voilà. Cet angle-là, c'est la moitié de l'angle X cherché. Et cet angle-là, c'est 15 degrés. Vu que ceci est un triangle rectangle, nous savons que la somme des deux angles aigus doit valoir 90 degrés. Donc, x demi plus 15 est égal à 90, dont nous déduisons que x demi est égal à 75, en mettant le 15 de l'autre côté où il va être soustrait. Maintenant, nous mettons encore ce 2 de l'autre côté où il va multiplier, et c'est ainsi que nous avons trouvé que l'amplitude de l'angle rouge est égale à 150 degrés, et par conséquent, c'est la réponse E, la bonne. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique.